Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'avoir des munitions et des médicaments pour soigner vos pales très facilement, plus d'autres ressources sur Palworld. Cette astuce consiste à capturer les marchands. Alors il faut savoir que ça fonctionne avec n'importe quel marchand. Donc les marchands normaux, ça fonctionne, les marchands de pales, ça fonctionne, et même les braconniers. Après, pour capturer un braconnier, c'est assez compliqué, sauf si vous utilisez la technique que je vous ai présentée hier pour avoir de l'argent en illimité. Si vous utilisez cette technique, vous allez pouvoir capturer le braconnier assez facilement parce qu'il va être AFK. Alors, pour vous aider à trouver les marchands, je vous affiche une map avec tout le emplacement. Et si vous voulez absolument capturer un braconnier, je vous affiche aussi le emplacement. Ensuite, quand vous avez réussi à les capturer, vous allez tout simplement dans votre boîte à pales et là, vous allez les placer sur votre camp. Au moment où vous allez les placer sur votre camp, vous allez pouvoir interagir avec eux et leur demander d'acheter des objets. Alors les braconniers et les marchands de pales vous vendront bien entendu des pales. Donc ce qui est bien avec cette astuce, c'est qu'à chaque fois que vous allez ranger le braconnier ou le marchand de pales dans la boîte à pales et que vous allez le ressortir pour interagir de nouveau avec lui, ça va actualiser les pales à chaque fois. Donc si vous n'êtes pas satisfait des pales qu'il vend, vous avez juste à le renvoyer dans la boîte à pales, ensuite de le ressortir pour actualiser la page de vente en illimité. Alors par contre, pour les marchands normaux, ça ne fonctionne pas, la page ne s'actualise pas. Les marchands que vous allez capturer par exemple qui vendent des munitions, à chaque fois que vous allez l'appeler dans votre camp, il vendra toujours le même type de munitions. Donc ça c'est vraiment propre aux marchands en fonction de où vous allez le capturer sur la carte. Mais ce qui est bien avec ces marchands, c'est qu'ils vont pouvoir vous vendre les médicaments pour soigner vos pales et même les ressources pour créer vos médicaments. En plus de ça, certains marchands vont pouvoir vous vendre des munitions. Donc ça aussi, c'est super cheaté parce que vous allez pouvoir, à la place de les créer, les acheter et ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc voilà, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire.